Là, là, on fait comment? Hein? Philo DJ. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh, bébé. Dans ton championnat, tu es là, y'a plus de prolongation. Oh, bébé. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh, bébé. C'est quelle étude qui finit par, si tu veux pas, faut me libérer. Top, c'est parti. Bonjour cher ami, nous sommes présentement à Bruxelles, précisément avec le grand comble Zidane, pour vous annoncer l'événement de mars qui va se passer le 8 avril avec la diva des divas José, aussi notre grand danseur de sa génération. Bébé Kero, je vous laisse la parole au maître de la ville, au comble Zidane, pour vous donner plus de détails. Ok, voilà, chose promise, chose due. Voilà, comment Mika ou pas a décidé de vous réveiller, de confronter les femmes par rapport à la soirée de, comment on appelle ça, de José, qui est prévue pour le 8 avril. Voilà, le 8 avril à Liège. Voilà. Pour ceux qui viennent en train, précisément, on vous dit. La descente avec le train, c'est Liège-Palais, pas Liège-Guinée, Liège-Palais. Voilà. Pour des tickets, venez me contacter soit inbox, soit je vous laisse mon numéro GSM. Comme ça, vous savez comment faire pour avoir des tickets. Merci et bonjour. Ciao, ciao. Bon, cher ami, ben voilà, hein. L'heure est grave, vous savez. C'est du côté de Liège. Moi, je suis à Paris, mais je fais cette vidéo. Ma très chère Mika. Qui se bat à Liège. C'est une dame de fer. Respectez-la parce que elle va faire venir José à Liège le 8 avril. Imaginez ce qui va se passer. Un show de la mort. J'y serai moi-même et Valérie, le batteur des Registas à Paris, j'y serai. Donc voilà, je vous invite à l'espace Georges Truffaut, la salle de droite, précisément, 5 avenue de Lille. 4020 à Liège, précisément, ça se passe à partir de 20h. Soyez dans la salle parce que ça sera une salle comble. Ok, ne manquez pas ce concert. Voilà, c'est José, hein, vous connaissez. Voilà, c'est comme ça. Ciao, ciao, famille. On est ensemble. Un vrai plat de chef ce matin. Bisous. Salut, 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 moi c'est Bébé Kero, voilà. Juste confirmer ma présence du côté de Liège, le 8 avril, dans la soirée ou pas, voilà, c'est pas du jeu. Venez, on va s'amuser. Je viendrai avec la femme à ce moment qui fait mal, côté féminin, dans la musique ivoirienne, voilà. Elle s'appelle Maman José, vous la reconnaissez, et vous la connaissez très bien, je vous dis en même temps. Et moi c'est Bébé Kero. Voilà, donc je confirme ma présence du côté de Liège avec ma vieille mère, José. Voilà, on vient vous éclater, on vient s'amuser avec vous. Moi, je viens vous montrer la danse, je viens vous montrer de quoi est-ce capable. Et ma vieille mère José, elle vient vous montrer la musique, la mélodie piquante. Voilà, voilà. Donc, Mika ou pas, maman, je suis de cœur avec toi. Voilà, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir invité la vieille mère José. Voilà, et mon vieux père Chavez, DJ de Liège. Voilà, mon vieux père Chavez, DJ de Liège, tu as touché mes mélodies, tu as touché mes beats. On vient ici de cœur avec vous. Voilà, et j'annonce mon arrivée. À Liège, donc j'invite tout Liège à sortir. On va s'amuser, c'est pas du jeu. Je vous aime aussi de cœur avec vous. Merci beaucoup. Moi, c'était Bébé Kero. Dans ma maison, et tu joues dans mon jeton. Tu me dis que toi, tu es belle, tu peux avoir les mots que tu veux. On fait rien, ça. Bon, ça, c'est pas moi qui chante.
celle qui a chanté s'appelle José, la diva de la musique ivoirienne, pour la première fois en Belgique. Ça se passe à Liège, du côté de l'avenue de Lille numéro 5. Venez nombreux, je vous invite tous et toutes. Tous mes frères de Hollande, tous mes morts de Paris, tous les morts d'Espagne, d'Italie, vous êtes tous invités. Venez, on va s'amuser, on va mettre l'ambiance, on va mettre le feu à Liège. Pour une première, donc on ne doit pas manquer celui-là. Voilà, c'est tout. Il y aura la restauration, il y a aussi Bébé Kero, l'ancien danseur de Serge Benou. Là. Tout le monde connaît, hein. Si tu ne connais pas, c'est que tu n'es pas de ce monde. Pas deux bébés qui roulent, mais dans celui qui fait les passes comme ça. Bon, il maîtrise pas, mais lui il va venir, il va confirmer ça. Voilà, on va passer au big up. Big up à mon mogo Kaba El Toreto de Liège, à la vieille mère, la maman Opa Mika Kadio, à la chouchoutée de Liège, Marie-Jeanne, à mon Gaza, Jacques le Belge, il n'y a pas deux Belges, c'est le seul Belge de Liège. Voilà, on va terminer le petit freestyle là, quoi, parce que nous, on est mort de Zouglou. C'est parti. Tous les mamans, tout, oh, yeah, tous les gazelles, yo, l'andro diesel, oh, yo, Mika, oh, hey, mama, oh, Mika, oh, la maque, oh, bah, Kaba et Toreto, oh, yeah, de Liège, oh, yeah, Jacques le Belge, oh, Marie-Jeanne chouchouté, moi je vous invite à le 8, oh, ça s'est passé à Liège, oh, venez tous, on va s'amuser, oh, avec José, oh, hey, coupé. Chers amis, voilà, de Liège et de partout. Voilà, comme vous voyez, nous sommes déjà prêts pour vous présenter à la soirée de José. C'est le 8 avril prochain. Donc vous voyez, nous on est prêts. D'accord? On est ici à l'école de danse au Corador, donnée par Anastasie Demandé. Ouais! Donc nous, on sera nombreux à cette soirée-là. Celui qui rate là, il meurt. Ça, je vous garantis. Hein. C'était comme aux autres. Il y a plein de ratés qui sont montrés loin. Donc il faut être présent et on va bien s'amuser. Allez. Salut les amis, ici Kaba El Toreto, toujours dans la maison Opa. Nous sommes là pour vous présenter l'événement de la diva des divas José, qui sera présente ici à Liège le 8 avril. Retenez bien la date, ça va se passer le 8 avril du côté de Liège, avenue de Lille numéro 5. L'adresse est 4020 Liège. Il faudra bien retenir la date parce que ça sera du lourd et vraiment, il y aura la présence du grand danseur de sa génération, Bébé Kero, qui sera là pour vous montrer les nouveaux pas. Et José sera là pour vous égayer, vous la connaissez, c'est une dame très talentueuse. Alors nous invitons tout le monde, tout un chacun, la diaspora africaine, tout le monde. Dépêchez-vous de prendre vos tickets parce que l'événement sera de taille et de marque. Il y aura un défilé de mode, la maison ou pas. Il y aura de la bouffe, une belle restauration. Il y aura tout, ça sera magnifique. Alors comme ça, j'aimerais signaler déjà, parce que j'ai eu la confirmation de plusieurs hommes forts, déjà de Liège, Lévi de Parma. Mon vieux Yao, je t'attends ce jour-là, tu vas me montrer ta magie. Gauchero Inter, le grand, Yannick Stopira, tout ça c'est les gars de Liège. Il y aura aussi les grands parrains de la Macopa, il y a Alain Belgacom et aussi Écoute ton cœur, le grand frère de Mika. Vous allez le voir ce jour-là, donc toute sa magie. Et la présence aussi de la grande marraine Lily depuis l'Italie, mais malheureusement elle est de placement, elle sera remplacée par sa pote de tous les jours, Pela Yao. Vous allez voir que la famille, on reste toujours famille. Ça sera du soutien jusqu'à à la dernière minute. Depuis Paris, mes gars seront là. Général Cefa, je t'attends. Un mec bien, Yannick Ballon d'Or, Bicente Delvoque, ils ont tous leur confirmation, ils seront là. La grande chouchoutée de Liège,
La dame, toujours swag, vous allez la voir encore. Elle vous réserve un habillement pas possible, vous allez voir. Alors dépêchez-vous de prendre vos tickets parce que l'événement sera de taille et les places sont comptées. Allez, bisous là-bas. Bonjour, moi c'est Michel Tawa, la nouvelle présidente de la CPL, la communauté des Ivoiriens de la province de Liège. Voilà, je ne sais pas. Donc voilà, j'invite tous les Ivoiriens à venir à cette soirée qui se tiendra le 8 avril à la salle de droite. Le 8 avril à la salle de droite. Donc j'invite tous les Ivoiriens de Liège et d'ailleurs. Je les invite à cette soirée et je les invite aussi à venir adhérer à la cité, à la CITL. C'est-à-dire, venez vous adhérer, venez vous inscrire à la CITL parce que la CITL est là pour tout le monde, la CITL est là pour tous les Ivoiriens et on ne fait pas de distinction. Donc voilà, vous êtes invités à la CITL et vous êtes invités aussi le 8 avril à la soirée de Opa Mika. Amis, moi c'est Kaba El Toreto. Nous sommes présentement au Mont Kala, en tête à tête avec le grand Charles Poutine, le DJ qui va animer cette belle soirée, qui va se présenter le 8 avril avec la diva des divas, José. Et grâce à la maison ou pas, nous sommes là devant vous pour vous dire que votre diva, surtout la diva des femmes, sera bel et bien là ici à Liège le 8. Moi, en tant que professeur, je vous demande tous de venir avec vos élèves parce que ce jour-là, ça sera une histoire de diplôme avec sticker. Charles Poutine, ouais. Dis un mot. Voilà, donc, comme il a dit. Donc, à tous les amis de Facebook, à tous les amis des réseaux sociaux, comme l'a dit El Toreto. Donc, voilà, donc ça sera une affaire de diplôme. Pour tous ceux qui ne sont pas diplômés, eh ben, le professeur est là. Voilà, nous qui sommes diplômés, comme on le dit, le diplôme, il est là. Donc, rendez-vous le 8 avril à partir de 21h à la salle de Drax avec la grande diva José. On invite tous les Africains, tous les Européens, tout le monde, tous ceux qui connaissent la diva. Sans oublier qu'il y aura une personne aussi d'exception. Ouais. Bébé Kero. Danseur qui va nous faire de ses pas. Ah oui, les pieds, vrai. Les pieds magiques. Vous ouais. allez voir ce jour-là les grands pas et aussi n'oubliez pas le grand défilé. Ouais. On va vous présenter la marque au pas. Vous allez voir aussi que la marque au pas sait faire des miracles via les corps. Vous allez voir les vrais vêtements. Salut. Ici le capitaine parisien du coupé décalé vous parle. Affaire de diplôme à Liège. Moi-même, ça me fait rire. Nous, les garçons, vont donner diplôme. C'est-à-dire que moi, le capitaine, une femme va déjà me donner diplôme. Ah, affaire de José. Le 8 avril, tu as très, très, très important. El Toreto. Opa, le capitaine que je suis, Bilongo String, depuis Paris, capitaine parisien confirmé, deux fois Brassard. Brassard à Abidjan, Brassard à Paris. Voilà, l'homme qui n'a pas peur n'a pas le courage. Si tu n'as pas les sous, il faut rester chez toi. Parce que ce 8-là, on vient pour soutenir José. Et ça se passe du côté de Liège. On va remuer là-bas. Sauvagement. Attiré. Bonjour, nous c'est les jumelles de Bruxelles. Merci. Les grandes stars hein, de Bruxelles. On est avec notre vieille mère. Mika. La vieille mère de Mika, la vieille mère de Opa, la marraine, la créatrice, elle a tout même de... Bon, on parle plus trop, hein. Donc, nous, on vous donne rendez-vous le 8 à la soirée de José. Le 8, tu n'es pas là, tu n'as pas de diplôme. Donc, ouais. Les go, on vous attend. Soyez à l'heure, s'il vous plaît. Aussi, parce que moi, ma montre est déjà à l'heure, hein. Je suis déjà là. Je suis calée avec elle. Elle est là, hein. C'est la marraine. Et là, c'est ma jumelle qui est à côté, là. On vous attend. Parce que c'est plus une créatrice même qui est assise à côté de moi comme ça. C'est une présente. Allez, bon, je n'ai plus rien à dire. Moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous le 8 avril. Le 8. Maman, oui. C'est quoi l'adresse déjà? C'est avenue de Lille, au numéro 5, à 4020 Liège. Vous avez compris, non? Voilà. Alors, ce rendez-vous, s'il vous plaît. Maman, montre à l'heure. Hein. Ma jumelle, tu veux dire quoi? Ah, ceux qui ont fait 2 ans sur banc, là, c'est maintenant, hein? Partez chercher vos diplômes. Alors, on vous attend. Là, on fait comment? Hein?
Philo DJ. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. Dans ton champignon tu es là, y a plus prolongation. Oh bébé. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. C'est quelle étude qui finit par si tu veux pas, faut me libérer.